Il y a une route. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Merde, les trinitaires, plante-toi. Merde. C'est coincé. Vois ça. On va régler ce problème. Reste derrière moi. Comment tu veux que je le sache? Qu'est-ce que tu fais? Recule, cache-toi. C'est toi l'expert en logistique, non? C'est pas moi qui me suis engagé sur un peu de bruit. Oh, une seconde! Je m'en occupe! Pas besoin, c'est des alliés. Et reste quelqu'un vigilant. Quelqu'un devrait jeter un œil. Je m'en charge. Installe ça là. Que personne puisse passer. Je veux que toute la zone soit bouclée. Oui, chef! S'il y a quelque chose, on finira par le trouver. Ça remonte à quand, sa dernière révision? C'est tout rouillé. Laisse pas distraire, Mendes. Qu'est-ce qu'on cherche, au juste? Tout ce qui bouge. Mais aussi tout ce qui bouge pas. Ils ont toujours pas trouvé cette relique. Si ça se trouve, on est tombé dessus. Je te souhaite pas. Pourquoi pas? C'est un héros. Et tu serais mort, surtout. Tu parles d'une chance. Je préfère rester là, à surveiller la zone. Taisez-vous et cherchez, messieurs. Bougez-vous un peu le cul. Oui, chef. Quoi, ton équipe? Je vais voir. On les fait pas pour faire du tourisme. Faut qu'on se cache là-dessous. Ouais. Le temple principal, on connaît. Là, ce qu'on cherche, c'est des ruines plus petites qu'on aurait pu louper avant. C'est bon. Je vois pas comment on peut faire. J'ai peur qu'on le perde si on le bouge. On va devoir renforcer le pont, je crois. On aura du mal à trouver un pont. Ah, je suis à peu près sûr qu'on a testé le pont en premier. Je t'emmerde. C'est pas de ma faute tout ça. On peut peut-être tirer dessus avec le camion. Ok. Peut-être. Laisse-moi réfléchir. On peut se les faire. Ok. Pont à gauche. Je vais m'occuper d'eux. C'est quoi? Plante-toi. Dev! Samy! Ah, c'est deep. Je leur ai dit de commencer par le pont. Non mais putain! Dev! Samy! Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais! T'arrêtes tout de suite! Putain! Ne bouge pas! Merci, ça va? Ouais, prends ça! J'espère qu'on sera tranquille. Les a conduits ici. Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. Oh, j'ai le bras qui gratte. C'est que tu guéris. J'en viens presque à regretter quand j'étais blessé. Oh, je comprends. J'essaye très fort de pas penser à mon dos. Tu sais, ma grand-mère a survécu à un tsunami dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu des amis.
et sa famille a perdu son affaire. Après ça, elle pressentait les catastrophes. Les éruptions volcaniques, les tempêtes... et d'autres choses. C'était moins une. Ouais. Qu'est-ce qui les a conduits ici? Je sais pas. C'est pas exactement le genre de civilisation que j'espérais. J'ai le bras qui gratte. C'est que tu guéris. J'en viens presque à regretter quand j'étais blessé. Oh, je comprends. J'essaye très fort de pas penser à mon dos. Ça a marché. Super. Allez, on avance. T'as une idée de ce que pourraient être les jumelles de l'énigme? Ça peut être plein de choses. Deux monuments, ou des montagnes, des rivières. J'imagine qu'on saura quand on le verra. Ouais. Je vois des gens plus bas. J'espère qu'ils sont sympas. Je vais te laisser faire la causette. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit? Comment vous avez atterri jusqu'ici? Vous avez perdu votre groupe de touristes? Non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis? Les Trinitaires. Absolument pas. Je ferai volontiers une pause. Suivez-moi. Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby. Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Carlos, 3. Et donc, vous êtes là pour quoi, exactement? On suivait une énigme quand notre avion s'est crashé. Craché? Ouais. Et vous vous en êtes sorti sans une égratignure? Oh, il faut dire, on volait assez bas. On est à la recherche de ruines Maya, en fait. Maya? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Oui. Ouais, longue histoire. Ah. Merci. Mais... vous avez pas franchement une tête d'archéologue? Non, c'est elle l'archéologue, moi, je fais la popote. Vraiment? Ouais. Vous avez déjà essayé le ceviche local? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poisson. C'est où cette photo? Au Mexique. Pourquoi? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça? Il y a des ruines pas loin, et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil? Non, je vous en prie. Mais je vous garantis que c'est pas du Maya. Mon peuple descend des Incas, et en est fier. Oh, et si tu... te reposais un peu? T'es sûr? Je t'ai promis un jour de repos. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Ami. Collègue. Elle est géniale.
¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿Vos n'êtes pas du coin? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. ¿Quiere negociar? Oh. Hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, je ne fais que passer. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. ¿Podría abastecerse antes de continuar? Merci. Fue un placer. Si quiere conocer Kuwakyaku, puedo ayudarla. ¿Vos êtes le guide touristique? Sé a dónde ir. ¿Y a quién no acercársele? Je vois. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. Je vais me méfier. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ojos bien abiertos. Omar. Ah, oui. Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Eh? C'est pour ça qu'on les paie, ¿no? Du vent. Oh, non. Maintenant dégage et laisse-moi regarder le match. C'est quoi ça? Me encantaría sacar estos ladrones de aquí. Est-ce que tout va bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. Et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider. Lo poco que teníamos se fue o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. J'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Merci. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Casi vous. Omar? Vous êtes qui? Vous cherchez du travail? Eh ben, c'est pas de chance. On a assez de gens. C'est Marco qui s'occupe du recrutement, de toute façon. Oh, oui, merci. Vous savez où je peux le trouver? A votre avis, au bar. Trouve quelqu'un pour te remplacer. Ok. C'est si ils sont dangereux, Marco. Il peut se passer n'importe quoi. Je cherche Marco. Hein? Para qué? Je voudrais juste lui parler. No quiere problemas. Je lui cherche pas d'ennui. Je cherche du travail. Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Donc, c'est vous, Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Como alguno de esos animales lastime a mi hijo, yo... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Sinon, il gardera votre fils. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá aunque yo lleve a alguien. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. ¿Usted, de verdad, haría eso? On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai? Gracias. Si ve a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. ¿Sabes qué?
otra tormenta como la... ¡Carajo! ¿Escuchaste? ¿Ahora obligarán a nuestros hijos a trabajar? Sí, pobre Pablo. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Ça va aller? ¡Me perseguirán! ¿C'est toi, Pablo? Sí. Tout va bien. Ton père m'envoie. Il est chez Abby. Va le retrouver. Je vais m'occuper de ce type. Gracias, muchísimas gracias. Ne reste pas là. J'aime pas trop ce bruit. De syndicats, de justice, ouah, ouah, ouah. Insupportable. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça vaut le coup, moi. Au marché noir, ça peut. C'est vrai, c'est presque 100% de marge, quel que soit le prix qu'on en tire. Connerie de générateur. Toujours que ça tombe en panne. No nos quedaremos sin hacer nada. Esto fue la gota que derramó el vaso. ¡Ale, reculé! Más les vale que lo dejen ir ahora mismo. Sus armas no los protegerán más. ¡Retournez bosser ou je le tue! No vamos a dejar que nos amenacen. ¿Croyez qu'il bluffe? Son una bola de ladrones. ¡Présente pas! ¡Il va mourir! Ya nos llevaron al límite. ¡Reculé! ¡Suéltenlo! ¡Qué cosas! ¡Suffi! ¡Arrêtez vos conneries! Il se passe en position. Elle a son compte. Confirmé.
abattu. Quelqu'un vous a dit de faire une pause? Ça m'étonnerait. Parce que je le saurais. Remettez vos travail. Merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Il trouvait 10 personnes par semaine avant. À mon avis, c'est à cause de son frère. Toujours à parler de syndicat, de justice. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça vaut le coup, moi. Au marché noir, ça peut. C'est vrai, c'est presque 100% de marge, quel que soit le prix qu'on en tire. Le générateur a encore lâché, répare ça! Ta gueule! Putain, saloperie de merde! Un amateur! Les enfoirés! Connerie de chez moi! Je ferais mieux d'aller voir. Il doit y avoir quelque chose. J'inspecte la zone. Estamos hartos de este abuso. ¡Lo repetiré pas! No nos quedaremos sin hacer nada. Esto fue la gota que derramó el vaso. ¡Allez, reculé! Más les vale que lo dejen ir ahora mismo. Sus armas no los protegerán más. ¡Retournez bosser! ¡Ou je le tue! No vamos a dejar que nos amenacen. ¿Croyez qu'ils bluffent? Son una bola de ladrones. ¡Plaisante pas! ¡Il va mourir! Ya nos llevaron al límite. ¡Suéltelo! ¡Si no! ¡Crucifix! ¡Arrêtez vos conneries! On va nous tuer, quand. Je dois retourner au village. Prenez vos affaires et rentrez au village. Bendiciones.
Bien, espero que esté bien. Oh. ¡Cuidado! Vaya. Señorita, vaya más despacio. Tenga cuidado, señorita. Pablo me dijo lo que hizo. No sé qué decir, solo gracias. De rien. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Parfois, le courage d'une seule personne compte plus que la lâcheté d'un groupe. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿Vous ne voulez pas la donner a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Suis désolée. ¿Eh? Usted no es Mariela. No, je désolée de vous déranger. ¿Le interesa comerciar? ¿Tout se passe bien? ¿Ve algo que le guste? Es un buen trato para ambos. Excelente lección. Regrese pronto. Jonah, j'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. J'arrive tout de suite, Lara. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Peut-être qu'il faudrait juste vous reposer. Non. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. Je n'avais pas remarqué. Il est où ce souffle? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Hey, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde.
Ishel et Shakshel, les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est ? Lara ! Quoi ? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. J'ai trouvé un temple. Super. C'est pas vrai. Les Trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Ces drones étaient super lourds, bizarrement. Les coupants, le bateau a l'air ok. Content de vous voir. On a un problème. Le générateur encore ? Je vais voir. C'est vrai qu'on a grillé sous l'eau, vu qu'on a grillé partout. Il était clairement plongé au moins, mais là. Apparemment, on vient tout juste de lancer des drones sous-marins. J'aimerais quand même bien savoir ce qui se passe. Excusez, ici le poste du quai. Opération loup solitaire lancée. Les drones sont partis. Ils sont plus bas sur la rivière. Le signal est fort. Je vous recontacte s'il trouve quelque chose. Terminé. Comment je suis censé savoir ? Ça fait plus d'une heure. C'est quoi ce bordel ? Je sais pas. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi à les joindre. Thank you.
pas être bien loin. Je comprends. Tu fais pas le poids pour ta télé. À la hauteur. Il y a une base des Trinitaires ici. Dieu merci, la tempête a presque épargné le village. L'épicentre était plus proche de l'avion. Mais ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si le séisme frappait ici? Des centaines de gens mourront. Je dois trouver un moyen de l'empêcher.